Aujourd'hui, je m'apprête à vendre ma maison et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric, votre exauceur de rêves immobiliers dans les Yvelines. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide pour vendre votre bien dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est quelque part dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma maison qui est juste ici, vous voyez. Tout simplement parce que avec Ludivine, ma femme, eh bien, on a prévu de la vendre et de changer. Pour ça, on a fait quelques travaux extérieurs et je voulais absolument partager ça avec vous parce que je pense que c'est indispensable en fait quand vous avez un projet immobilier comme ça de vente, eh bien, d'apprêter votre maison. C'est comme si par exemple vous laviez votre voiture, vous vendiez votre voiture et que vous la prépariez pas pour la vendre, par exemple la laver, enlever quelques petits défauts qui pourraient gêner l'acheteur. Donc c'est parti, je vous montre ça, go! Donc la première chose qu'on a fait, eh bien, ça a été de refaire complètement le parterre devant la maison de manière à avoir quelque chose qui est beaucoup plus agréable que ça et de refaire également le ravalement des murs. Alors dès qu'on rentre, on a complètement fait refaire le béton en fait, enfin on l'a complètement fait refaire, on a fait passer un Karcher. Ensuite, après, on a refait également tout ce qui est muret, tout ce que vous pouvez voir ici. Tout ça, tout a été repeint complètement. Pareil de l'autre côté. Chose auxquelles on pense pas souvent, mais qui a quand même un impact, c'est tout ce qui va être boiserie, les volets par exemple, et tout ce qui est bardage. On a également 90 mètres carrés à peu près de terrasses en bois. Et donc les terrasses ont été passées au saturateur de manière à leur donner un aspect beaucoup plus sympa, beaucoup plus steak. Voilà, alors on n'oublie pas, les extérieurs c'est extrêmement important, c'est la première chose que vont voir les acheteurs potentiels de votre maison, donc portez-y le plus grand soin. Vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche de manière à être prévenu à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.